Ferme Expo à Roche-Pinard, le salon L'Art au quotidien au Vinci. Deux événements maintenus ce week-end avec une condition, le renforcement des mesures de sécurité. Si la tenue de concerts, spectacles, rencontres sportives ou culturelles n'est pas remis en cause, et ce jusqu'à nouvel ordre, la préfecture rappelle que les mesures prévues dans le plan Vigipirate doivent être renforcées. Exemple, ouverture systématique des sacs et diminution des files d'attente à l'entrée des salles de spectacle. Quand on organise une manifestation qui réunit plusieurs milliers de personnes, bien, il faut mettre en face les moyens appropriés. Donc, j'invite vraiment les organisateurs de ces différentes manifestations à disposer de ces moyens. S'ils ne les ont pas, je serai contraint d'annuler ces manifestations pour ne pas compromettre la sécurité de ceux qui y participent. Police, gendarmerie, militaires, toutes les forces de sécurité du département sont déployées sur la dizaine de sites Seveso, sur les centrales nucléaires, mais également aux abords des lieux de culte, près des bâtiments publics, les gares et les écoles. L'ensemble des sorties et voyages scolaires est annulé jusqu'au 22 novembre.